Je suis entré dans ma chambre, à peine arrivé, et puis j'étais en train de me préparer pour aller et puis à la douche. Ça s'est produit. E che cosa ricorda di quel minuto? Il s'en rapplode un moment ça. Seulement j'ai vu les choses en train de bouger comme si elles étaient dans les airs. Et puis je me suis retrouvé sous les décombres. Lei è stato qualche ora sotto le macerie. Che cosa ricorda di quei momenti? Tu hai été pendant quelques heures et bien sous les décombres. Qu'est-ce que quel souvenir? Bon, là où j'étais dans un petit coin, j'avais du mal à sortir, mais je ne souffrais pas vraiment parce que je n'avais pas touché physiquement avec des blessures. Mais je réfléchissais beaucoup. Certainement, cette expérience m'a marqué pendant toute ma vie et elle a changé ma vie. Elle m'a fait voir les choses maintenant de façon très différente. Che cosa si prova ad essere un sopravvissuto con il ricordo e comunque con il pensiero a quelli che non ce l'hanno fatta e non ci sono più? Chi sono rapplo avec experience chi sa che rete no parce que moun ki pa fè experience pa sentir même gens mais qui avec cette expérience j'arrive à relativiser tout. Je vois que là où j'étais sous les décombres, eh bien, ce qui était important pour moi, c'est de sortir. Et peu importe les autres choses. Et c'est pour cela que j'arrive à découvrir que l'important, c'est le souffle, c'est la vie. Merci beaucoup. À vous. Merci.